Je remercie tout d'abord Daniel pour cette invitation et je voudrais dire Chazak Ubaro pour ce shiur qui fait bien sûr que c'est un grand grande mitzvah d'être mezaké. J'attendais celle-là mais je n'osais pas trop. Voilà, non mais franchement c'est vrai, voir des femmes sortir comme ça, pour moi c'est un chizouk personnellement. Bah oui, c'est à quoi avoir étudié comme un des années, c'est bien. Je sais déjà pas grand chose. Bon, je sais toujours pas grand chose, mais, j'ai beaucoup profité de ce que tu m'as appris. Je l'ai... C'est resté en moi et de façon profonde. En tout cas, ce qui lui appartient. En tout cas, ce soir, grâce à Daniel, je peux dire que je me suis penché un peu sur un sujet. Comme c'est pour une, bien sûr, on va parler un petit peu de la Megillat Esther. Il y a un passage très intéressant qui, franchement, vous allez voir, peut être lu de différentes manières, mais j'espère que ce soir. Je vais vous apporter un éclairage nouveau et vous allez voir, c'est quelque chose de magnifique. Quand on se plonge un peu dans la Megillah, c'est exceptionnel. Je vais lire quelques psukim au départ pour un peu planter le décor et après, à partir de là, on va poser quelques questions et on essaiera d'amener des éléments de réponse. Dans le Perek Dalet, le chapitre Dalet de Megillat Esther, donc c'est juste après que Haman il est donc tiré au sort. Donc c'était la 12e année du règne de Ahasvéros. Voici que Haman il a tiré au sort quand est-ce qu'il allait détruire son ennemi préféré. Et voici que, bien sûr, vous le savez tous, que c'est tombé le mois d'Adar. Une fois que c'est tombé le mois d'Adar, il s'est réjoui. Bon, je passe sur toutes les étapes. Et bon, on va s'intéresser sur la réaction de Mordechai et de Esther à ce moment-là. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de surprenant. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai quand il a appris ça? C'est marqué « Mordechai yada et kol asher naasa » Mordechai il a compris, on va voir c'est quoi Yada, il a pris connaissance de tout ce qui s'était passé. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il a compris que pas tout le monde a compris en tout cas. Vaikra Mordechai et Begadav, il a déchiré ses habits. Vailbash sak vaefer, il s'est vêtu d'habits. Alors ils disent, ils traduisent hein, moi je, en silice, mais ça veut dire c'est des habits de deuil. Vaefer, il a mis de la cendre sur lui. Vaetse betorahir, vaizak, zeaka, gedola omara, il s'est mis à crier, à faire des tfilotes. Parce qu'il a pris connaissance du décret, c'était un décret très fort bien sûr, quand on apprend qu'il y a un Haman qui veut détruire tout le clan d'Israël, et Mordechai, qui est bien sûr le tzaddik de l'époque, le gadol ador de l'époque, voici la réaction. Mais Mordechai, il ne reste pas dans son coin. Va y avoir Adlifne Shahar Amelech, il veut sensibiliser qui? Esther Amalka. Il s'est rapproché de la porte du palais, qui aime la voie Shahar Amelar Bilbushsa, qui sait qu'il ne pouvait pas franchir cette porte. Il s'est mis à côté de la porte. Je passe un petit peu plus, et voilà. Va tavona naharot Esther Vesarisea, va egidula. Ils sont venus, ils ont dit, tu sais, est-ce que tu es au courant de ce qui se passe? Il y a une nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Mordechai, il est en train de crier, en train de pleurer, il fait des tfilotes. Quelle réaction elle a eu Esther? Quelle réaction elle a eu Esther? Elle lui a dit, va t'écrire Esther à l'attar. Alors elle lui a dit, va t'ishlach begadim l'albish et Mordechai lui a dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Elle lui a envoyé un nouveau costume, elle a dit, il est hors de question qu'il reste comme ça habillé. Ça vous fait rire, je vois déjà quelque chose. Hein. Va t'ishlach begadim l'albish et Mordechai ou l'assir sa comme à l'abdi. Qu'est-ce que tu veux? Enlève cet habit, enlève cette cendre. Habille-toi convenablement, vélo qui belle. La question, je pense que telle que je vous ai exprimé les choses, elle saute tout de suite aux yeux. Esther, son souci à ce moment-là, c'est de dire à Mordechai, habille-toi, mets un beau costume. Si Mordechai s'est comporté de la sorte, c'est qu'il y avait une raison. Peut-être qu'elle n'avait pas connaissance de la raison, de la gravité, de la situation. Mais connaissant Mordechai, qui est un tzaddik, s'il se met dans cet état-là, et qu'il est en train de pleurer, d'exprimer sa souffrance, le remède, c'est pas de lui dire... va mettre un costume, il est hors de question. Il faudrait qu'on comprenne quelle a été la réaction d'Esther. Il est difficile de dire qu'Esther, comme ça, elle réagit de manière simple et sans réflexion, loin de là. Et bien, c'est avec ce duel-là que je vais démarrer ce cours et vous allez voir. Ici, Esther a voulu envoyer un message clair à Mordechai. Et celui qui dit ça, c'est le Netivot HaMishpat. C'est un commentaire très connu, il est sur le Shulchan Aruch. Il est très étudié dans les Yeshivot, le Baal Netivot HaMishpat. Il a écrit un sefer qui s'appelle le Megillat Starim. Et dans ce sefer, il pose la question et il explique qu'en réalité, ici, il y a eu un duel qui s'est dressé entre
Mordechai et Esther, comment réagir à une situation difficile. Est-ce que on va tout de suite se replier vers les Tfilot, envers Akadosh Baruch Hu, que ça, ou bien on va faire une Ishtadlout. Ishtadlout, comment on traduit Ishtadlout? On va faire un effort dans le sens rationnel des choses, c'est-à-dire que... Non. Alors Mordechai, lui, il savait, comme il dit. Mordechai, il a compris qu'il n'y avait rien à faire. À ce moment-là, dans cette situation précise, il n'y avait pas de Ishtadlout, d'effort rationnel à faire. Esther, elle n'a pas compris. Elle dit non, non, non. Certes, il faut faire des Tfilot. Bien sûr, qu'on sait que tout ce qui se passe, c'est Hachem qui est au-delà de tout. C'est lui qui est en train de tirer toutes les ficelles. Mais, elle lui a dit, il faudrait peut-être qu'on essaye de faire une Ishtadlout, un effort dans le sens rationnel. Peut-être que tu devrais prendre rendez-vous avec le roi, avec le ministre, avec voir ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire, comment... C'est là le message. Quand elle lui a dit, va te changer, va mettre un costume, comme ça, il dit le Netivot HaMishpat, il dit, c'était pas pour lui dire de se changer. Elle a bien compris que s'il faisait ça, il avait une raison de faire ça. Mais là, elle lui a dit, elle lui a envoyé un siman. Mets le costume qui te permettrait de franchir la porte du palais, de venir t'adresser au roi éventuellement. Bien sûr que la suite, vous la connaissez également. Donc là, on a commencé un peu à comprendre ce duel. Qu'est-ce qui se passe après ça? Juste avant, Donc, Mordechai n'a bien sûr pas accepté la proposition de Esther Amalka. Il lui dit, rien à faire. Je reste dans ma position, comme c'est marqué dans le passouk suivant. Velo kibel, et il n'a pas accepté. Donc, il a refusé la proposition d'Esther. Le Midrash, pour nous faire palper davantage, il apporte des informations supplémentaires sur ce qui ne sont pas marquées dans la Megillah. Il dit que quand la Xéra est sortie, alors Hachem il a demandé au Satan d'écrire Kaviachol, que le clan d'Israël doit être détruit. À ce moment-là, Eliyahu Hanavi, écoutez ce que dit le Midrash. Eliyahu Hanavi, il s'est adressé au Avot Ha'olam, aux ancêtres. Il leur a dit, venez sauver les Bnei Israël. Ils m'ont dit, on ne peut rien faire. La Xéra est déjà là. Alors, ils sont partis voir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit, tu sais, c'est le seul qui peut t'aider, c'est s'il y a un tzaddik dans le dehors, s'il y a un grand tzaddik qui est présent dans le dehors, lui, il serait à même de pouvoir vous aider au moyen de la tfila. Et moi, Moshe Rabbeinu, là-haut dans le ciel, je l'aiderai dans cette filote. Alors il dit, mais est-ce que tu es conscient que la Xéra a déjà été écrite? Il a dit, je vais t'annoncer quelque chose. Si la Xéra a été écrite et signée avec le sang, c'est irréversible. Mais si toutefois la Xéra, elle a été signée avec le tit, c'est la boue, c'est une sorte de terre diluée qui leur permettait d'écrire, eh bien il y aurait peut-être moyen, au moyen de la tfila. Donc, en fin de compte, tout cela, c'est ce que Mordechai savait. Mordechai, il était conscient qu'il n'y a que la Tfila qui peut sauver le clan d'Israël. Dans des moments les plus difficiles, il n'y a que cela. Mais Esther, elle reste dans sa position. Alors Mordechai, bien sûr, qu'est-ce qu'il propose à Esther? Il dit, maintenant, la situation est difficile, je te demande de te présenter chez le roi immédiatement. Vous connaissez bien ce qui s'est passé. Elle dit, mais elle répond par l'intermédiaire de Hatar, elle dit, mais comment est-ce possible que je me présente chez le roi sans avoir eu la permission? Ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas demandé. Et en plus, pourquoi prendre des risques à ce moment-là? Quand il y a eu la Xéra, c'était le mois de Nissan que Haman a fait son tirage au sort. Et la Xéra devait se produire 11 mois plus tard, le mois de Hadar. Il n'y a pas le feu, comme on dit. Calmons-nous. Pourquoi prendre un risque? Le roi, ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé. Il va finir par m'appeler incessamment sous peu. Et donc, pourquoi prendre des risques qui ne sont pas nécessaires? Alors là, Mordechai lui envoie une réponse, mais vraiment, je ne veux pas dire le mot, il envoie un peu le boulet. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, « Ah, t'es d'ami ben afcher, les imalet betameler mikola yudim. » Ne te retranche pas. Et ne crois pas que tu vas être sauvé si tu te sens protégé parce que tu es dans le palais.
Ki maharesh ta harishi. Car si tu n'agis pas, la Géoula viendra par ailleurs. Et il finit par lui dire quelque chose de très dur. Ve'at ou betavir tovedu. Et toi, et ta descendance, vous allez périr. Qu'est-ce qu'il a Mordechai ? Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Esther la pauvre ? Elle est en train de lui dire, moi, je veux bien vous aider. Écoute, il n'y a pas le feu, on peut encore attendre un petit peu. Il va m'appeler, bien sûr, je vais me présenter chez le roi. Il dit, hors de question. Si tu ne vas pas tout de suite, sache, on n'aura pas besoin de toi. Hachem trouvera une autre intermédiaire. Si ce n'est pas toi, c'est un autre. Mais de toute la manière, hâte ou bête à vire, tovedo. D'accord, retiens-toi, elle ne veut pas partir, elle ne se sent pas capable. Hâte ou bête à vire, tovedo. Moi, cette année, j'ai dû... Il a massacré. Mais hâte ou bête à vire, tovedo. Le pire dans tout, c'est que, selon l'explication que nous avons donnée du Netivot HaMishpat, que Mordechai était dans une logique de tefila pure. Pour lui, il ne fallait pas faire d'efforts rationnels. Il y a un paradoxe ici qui s'installe. Pourquoi ? Alors au départ, il dit, moi, le seul moyen que j'ai, c'est de la tefila. Il demande à Esther d'aller chez le roi. Pourquoi demande-t-il d'aller chez le roi ? Si tu ne dois pas faire de shtadlut, si tu ne dois pas faire d'efforts rationnels, alors pourquoi tu demandes à Esther d'aller chez le roi ? Il y a une contradiction. Si pour toi maintenant c'est le moment de faire la tefila, tu as qu'à dire à Esther, allez, mets-toi à faire la tefila. Alors non seulement qu'il lui demande d'aller chez le roi, elle refuse pas complètement, elle lui dit, attends, je vais pas prendre de risque. Et là, boum, qu'est-ce qu'il veut par cette phrase ? Pour répondre à toutes ces questions, on va un peu remonter dans les ancêtres de Esther Amalka. Et vous savez que Esther Amalka, elle est issue de quelle chevette ? Binyamin. Et elle a reçu cette royauté, elle a reçu cette place de reine. Ça vient de Shaoul, comme on va voir. Alors, on va parler ce soir un peu de Shaoul Amelé. Ça tombe bien, c'était la paracha de la semaine dernière, la haftara plus précisément, la haftara de la semaine dernière. Et on va s'intéresser à comprendre un peu Shaoul. Et peut-être qu'avec ça, on pourra comprendre un petit peu Esther. Et le peuple va être constitué. Alors, commençons par Shaoul. Vous savez que Shaoul, c'est le premier roi. Et que quand l'Ibn Israël était sur le point de rentrer en Eretz Israël, ils étaient concernés par trois mitzvot. La première, c'est de nommer un roi. La deuxième, c'est de détruire la descendance de Amalek. La troisième, c'est de reconstruire le Beth Amikdash. Parce que pour que le Beth Amikdash soit construit, on a besoin d'un roi. On a besoin que Amalek, Kiyad al-Kesia Milchamal Hashem Amalek Midordor. Le nom d'Hashem, il n'est Shalem, il n'est entier qu'une fois que Amalek est complètement anéanti. Donc, la première des choses, qu'on rentre en Eretz Israël, on nomme un roi. Voici que Shmuel, qui était le prophète de l'époque, il fait appel à Shaoul pour le oindre et le nommer en tant que roi. Et il lui dit, voilà, Hachem m'a envoyé pour te nommer roi. Et bien sûr, tu as une mission. La mission, comme on vient de le dire, Hachem te demande d'anéantir complètement la descendance de Amalek et tous leurs biens. Faut pas que le souvenir de Amalek soit existant. On veut pas de Amalek, rien. Qu'est-ce qui se passe, comme vous le savez tous? Shaoul n'a pas respecté tout à fait ce que Shmuel Hanavi lui a dit. Qu'est-ce qu'il a fait Shaoul? Il a tué certes beaucoup de Amalekim, mais il revient avec Agag, il revient avec des Behemoth, il revient aussi avec du bétail. La question qui est tout de suite évidente, c'est Shaoul, qui a été nommé roi, c'était pas n'importe qui. Le Drashot Aran dit que normalement, ceux qui devaient être nommés rois, c'était du Shevet Yehuda. Mais comme, à son époque, il n'y avait pas un tzadik aussi important que Shaoul, aussi fort, aussi d'un niveau aussi élevé spirituellement que Shaoul, bien qu'il était de Shevet Binyamin, on l'a nommé. C'est pour vous dresser un peu qui était Shaoul Ameler. C'était pas, on n'a pas affaire à quelqu'un de léger. On a affaire à un très grand tzadik. Shaoul Ameler, qui est nommé Shaoul, il reçoit l'ordre du roi de Akadosh Baruch Hu d'aller anéantir Amalek. Comment est-ce possible qu'il se permette de ne pas respecter l'ordre d'Hachem? C'est ça, Shaoul Ameler, c'est le grand tzadik.
Il l'a fait avec une bonne intention. C'était via le prophète. Pour faire... Pardon ? C'était pas en direct, c'était via le prophète. Oui, mais le prophète transmet la parole d'Hachem, bien sûr. Oui, bien sûr. Le juif était toujours accompagné d'un prophète. Une bonne intention aussi pour se servir de ses bétails pour... Certes. C'est vrai, mais quand même, c'est ce qui est marqué. On va voir ça, tout à fait. On va en parler également. Son intention, a priori, elle était de garder le bétail pour pouvoir justement permettre au Béni Israël de pouvoir offrir des corbanotes, des offrandes. Alors, on va voir. Je vais toucher à ça également. D'accord pour le bétail, mais alors pourquoi il a gardé, il a laissé vivant Amalek, le roi en plus. Tout à fait. Eh bien, vous allez voir, je vais vous dire quelques... Le pire de tout cela, c'est que... Donc, je vous ai dit que Shaul, c'était un grand sadique. Quand Shmuel lui fait les reproches concernant le non-respect de l'ordre d'Hachem, il dit, mais... il revient à Kimoti et Devar Hachem. Il dit, mais non, mais j'ai fait la parole d'Hachem. Moi, tu es conscient de ce que tu es en train de dire? Tu dis que tu as fait la parole d'Hachem. Vous-même, tout le monde est conscient. Agag, le bétail, comment tu peux... On ne comprend pas très bien ici qu'est-ce qui se passe. Shaul n'est pas conscient de ce qu'il a fait. Il a mis beaucoup de temps avant d'être réellement conscient de sa faute. Mais dans sa première réaction, non, moi j'ai fait la parole d'Hachem. Le Shutron Yom Tov, c'est un Faresh, il dit que Shaul, dans sa démarche, il voulait faire profiter les Bnei Israël des biens de Amalek. Alors il a fait un raisonnement qui est le suivant. Il a dit, certes, avant que je commence à anéantir Amalek, si toutefois, il y a un Ben Israël qui va acheter une bête chez un descendant de Amalek et qui s'approprie cette bête, est-ce qu'une fois que je rentre dans la mitzvah d'anéantir Amalek, il va devoir tuer cette bête? C'est sûr que non. Tout bien qui a été approprié avant le démarrage ou la mise en application totale du décret de Amalek, ces bêtes ne sont pas concernées par cette mitzvah d'Hachem de détruire. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il s'est dit comme ça, il s'est dit. Moi, j'ai une astuce toute simple. C'est vrai qu'Hachem, il m'a dit de détruire toute la descendance d'Amalek. C'est vrai que les biens aussi, il faut les détruire également. Mais il s'est dit la chose suivante, il s'est dit, quand est-ce que je devrais mettre en application cela? C'est une fois que tout le zéra d'Amalek, que toute la descendance d'Amalek est complètement détruite. Tant que je garde une personne, je ne suis pas concerné par ce décret. Par conséquent, j'ai une bonne astuce. Et je rejoins, vous allez voir. C'est comme ça qu'il dit le Renegade Yom Tov. Il dit, par conséquent, j'ai une astuce très forte. Moi, je vais bien sûr, allez, on va liquider, on liquide. On va laisser une personne représentative de Amalek, qui est Agag. Je vais le ramener avec moi. Je vais dire au Béni Israël, servez-vous. Vous avez encore quelques heures pour vous servir. Parce que dans quelques heures, une fois que j'aurai tué Amalek, c'est fini. Une fois que j'aurai tué Amalek, vous n'aurez plus le droit de vous approprier ses biens. Et comme madame a dit, bien sûr, son but, c'était également pour que les Bnei Israël puissent servir des corbanotes à Hachem. Tout va bien, a priori, on comprend très bien la démarche de Shaul, mais Hachem, bien sûr, n'a pas accepté cela. Hachem, il lui a dit, « Nichamti kimlarti et Shaul. » J'ai regretté d'avoir nommé Shaul. Apparemment, encore une fois, là, on comprend déjà un peu mieux, et on a un peu réduit l'étonnement qu'on avait vis-à-vis de Shaul. Il y avait quelque chose derrière, c'est pas, il n'a pas fait des choses. On comprend un petit peu ce qu'il a voulu dire à Kimoti et Dvar Hachem. Ça veut dire que moi, je n'ai pas cherché à transgresser les paroles d'Hachem, tout au contraire, j'ai respecté, je comptais réellement tuer Agag, le roi de Amalek. Pour bien comprendre quelle a été la faute de Shaul et où se situait tout à fait son erreur, on va ramener une autre erreur qu'il avait faite bien avant. Quand Shmuel... Il voulait faire mieux que ce qu'Hachem lui a demandé. A priori. A priori. Bravo. Je ne le dis pas comme ça. C'est désobéir. C'est pas désobéir tout à fait. C'est pas désobéir. Moi, désobéir, c'est fort comme mot. Ça s'appelle pas désobéir parce qu'il comptait réellement tuer Agag. Il comptait le faire, c'est marqué. De faire de ce qu'on m'a pas demandé ou de faire ce que Hachem a dit. C'est un peu. Là, on rentre. Mais pour comprendre un peu, on va aller dans ce sens-là. On va voir un petit peu à travers d'autres exemples. Il y a eu
Un deuxième nom respect, si on peut dire, de Shaul HaMelech. Vous savez c'est lequel? Il l'a envoyé en guerre et il lui a dit pour récupérer les sacrifices jusqu'à ce que j'arrive. Exactement, c'est là. C'est pour les sacrifices. Quand il venait de Shmuel, il venait de oindre Shaul, il lui a dit, tu sais, j'arrive dans une petite semaine, prépare les corbanotes, on va les offrir, mais attends-moi. N'offre pas les corbanotes tant que je ne suis pas là. Je te prie, s'il te plaît, de m'attendre. Ça a commencé comme ça. Shaul, il est là, il attend. C'est toujours des histoires, on attend. La pression qui monte, le peuple autour de lui. Ah, ça monte. Où est Shmuel? Où est le peuple? Commence à se disperser. Vayafet Tsaram. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Je fais pas. Sous la pression du peuple, il a offert. Deux minutes plus tard, Shmuel. Dis-moi, n'est-ce pas que je t'ai dit de m'attendre? Qu'est-ce que t'as fait? Mais tu sais pas, tu peux pas te rendre compte. J'étais pas seul ici. La pression du peuple, tout le monde m'a poussé. Je pouvais pas. Il dit, tu as perdu ta roue. Ça commence mal. Ça, on peut bien dire, ça commence mal. Il lui a dit donc, bon, je vous passe sur les mots parce que je ne veux pas trop m'attarder sur les mots, mais en tout cas, il lui dit, là, la situation, donc, déjà, il y a une première faute. Et Rashi, même dans ses mots, il dit que quand il lui a donné le deuxième ordre d'anéantir Amalek, il a dit, attention, n'oublie pas ce qui s'était passé là-bas au départ. Et Shaul reste dans sa logique, il a du mal à bouger de sa logique. Mais en réalité, si pour comprendre et compléter tout ce décor de Shaul, il y a un texte très fort qui est alimenté par le Midrash, je crois, c'est le Midrash la Gemara dans Yoma, qui nous dit comment Shaul a réagi quand il était sur le point de rentrer en guerre contre Amalek. Il y a deux mots qui disent Vayarev Banahal. Qu'est-ce que ça veut dire Vayarev Banahal? Littéralement parlant, donc il s'est Meriva, il s'est disputé sur le fleuve. Mais écoutez ce que dit l'Agmara. L'Agmara dit ici qu'à ce moment-là, l'Agmara dans Yoma, elle dit qu'en réalité, c'est à propos de Iskenachal. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'il y a eu un duel entre Kaviachol, un échange entre Shaul HaMelech et Akadosh Baruch Hu. Alors Shaul, il commence à lui dire, tu sais, Akadosh Baruch Hu, quand il y a juste un cadavre qu'on trouve à côté d'une ville, tu nous demandes d'emmener une Egla Arufa. Une gémisse qu'on lui brise la nuque parce qu'on ne sait pas, il faut pardonner cette faute. Une personne qui est morte. Toutes ces âmes-là, tu veux que je tue à la rate? Comment ça se fait? Et si jamais une personne qui a fauté, comme ça il dit Shaul. Shaul, il commence à. Il a le cœur un peu dur. Et Adam Khata, il lui dit, s'il y a un homme qui a fauté, pourquoi tu veux en plus que je tue les béhémotes? Et si les grands, ils ont fauté, pourquoi tu veux que je tue les ktanim? Shaul. Alors à ce moment-là, il y a une voix du ciel, Batkol, elle est sortie, elle a dit, et là c'est, on va tout comprendre, elle dit, hé Shaul, al teit tzadik arbe, ne fais pas le grand juste, ça veut dire ne fais pas le grand haram, le grand sage, al teit tzadik arbe, et ça rejoint un peu, le problème de Shaul c'était que, il voulait bien sûr appliquer l'ordre d'Hachem, c'est pas qu'il voulait Chasve Shalom désobéir à Hachem. Non. Sauf qu'il avait, il disait, moi je veux arriver, je veux le faire à ma manière. À chaque étape, je vais réfléchir comment. Vous savez ce que dit le Malbim, quelque chose de très fort sur Shaul. Il dit, à l'époque, pour entrer en guerre contre un peuple, il fallait trouver une raison. Tu ne peux pas aller comme ça en guerre sans te justifier. Il dit comme ça le Malbim, il dit. Shaul, c'est ça Aliska Al-Akhal. Il a voulu dire, tu sais, cette terre où je me trouve, elle m'appartient. Il a énervé. Quoi? Cette terre, elle m'appartient? En fait, le Nahal et la terre, la vallée où se trouvait le Nahal, ça a été un prétexte de guerre. Pourquoi il est en train de faire ça? Parce que pour Shaul, c'était pas concevable de sortir en guerre, Stam. Parce que Hachem a ordonné, il fallait qu'il justifie un petit peu cela. Il fallait qu'il donne à l'autre l'impression qu'il ne rentre pas en guerre contre lui, pour rien. Donc, pour revenir, c'est sûr que Shaul, c'était un grand homme, bien sûr. C'était un grand sadique. Et on comprend l'attitude de Shaul qui est dit après, « Hakimoti edevar Hashem, j'ai accompli les paroles d'Hachem. » Comme on a dit, la ta'ana, s'il y a quelque chose, une plainte qu'on avait envers lui, c'est « Pourquoi tu n'obéis pas de façon directe ?» Hachem te demande de faire une mission,
eh bien, tu appliques la mission. Certes, parfois, tu ne comprends pas très bien. Tu peux accomplir la mission. Le pire, c'est que par rapport aux béhémotes, quand il avait, comme on a voulu dire, les béhémotes, Shaoul, son idée qui était derrière, c'était de quoi ? C'était de dire, je vais permettre au Bnei Israël d'offrir des corbanotes. Qu'est-ce qu'il lui répond ? Qu'est-ce qu'il lui répond, Shmuel ? Hineshemoa mizebartov, leakshiv mechelev elim. Qu'est-ce que ça veut dire, Hineshemoa mizebartov, leakshiv mechelev elim ? Explique le Ramban dans la paracha que nous avons lue la semaine dernière. Quel est le yesod du korban ? Quand la Torah demande à un homme d'offrir le korban, quel était son objectif ? C'est la soumission. Le korban, c'est la soumission et c'est de dire tout ce qui devait arriver à la bête aurait dû m'arriver. C'est ça toute l'idée du korban. On dit Adam qui a crime nefesh mikem. Adam qui a crime mikem. Il faut offrir de soi-même. Qu'est-ce qu'on peut offrir de soi-même ? C'est-à-dire nous-mêmes, soi-même. Sauf qu'Hachem, bien sûr, il ne veut pas que l'homme... soit offert, il dit, tu vas offrir un corban, et tout ce que tu fais au moment du corban, lâche, tu vois là ce que tu m'en avais, les graisses qu'on brûle, voilà, pour que l'homme prenne conscience. Alors il dit, moi, à Shaoul, il dit, toi, tu as voulu qu'on offre des corbanotes. Il y a quelque chose de mieux que les corbanotes. Freiner ses pulsions, aller à l'encontre de ce qu'on souhaite, ça, c'est la meilleure chose qu'on peut donner à Kadosh Baruch Hu. Il est chez moi. Lishmoa a dit vrai Hachem, entendre la parole Hachem. Il est chez moi, mis Zévar, top, c'est mieux qu'un bon Zévar, c'est mieux qu'un bon Corban. Les Akshiv, écoutez la parole Hachem. Mais Chélavénim que les graisses. Si tu offres à Hachem tes Retsonot, ça veut dire parfois tu as une volonté de faire quelque chose, une pulsion d'aller vers quelque chose. Tu la retiens, tu la freines. Pour Hachem, c'est la meilleure offrande que tu peux lui faire. C'est supérieur à un Corban. Donc si vraiment tu voulais, voilà ta faute. Donc on comprend avec tout ça, bien sûr, pourquoi Hachem. Il est revenu en arrière, il lui a dit maintenant tu vas perdre ta malchut. Parce qu'un roi, et particulièrement un roi du clan d'Israël, c'est le prolongement d'Akadosh Baruch Hu. Il doit être à l'image d'Hachem, être soumis totalement, c'est-à-dire que de la même manière, faut montrer à tout le clan qu'on est dans une soumission totale. C'est-à-dire que Bémet, tu dois être la référence de la soumission envers Akadosh Baruch Hu. Si toi tu commences à faire comme ça, alors comment le peuple va se conduire ? La Gemara dans Sota, et on va rejoindre, vous allez voir comment on va rejoindre. La Gemara dans Sota, elle dit, lorsque les Bnei Israël, ils étaient proches de la traversée de la mer, il y a eu bien sûr un grand qui va sauter en premier pour que la mer elle s'ouvre. Et il y a une discussion, est-ce que c'est le Shevet Binyamin ou le Shevet Yehuda ? Nous, nous allons aller plus sur, dans le sens que c'est le Shevet Binyamin parce que, vous comprenez, on veut rejoindre Binyamin ce soir, Esther Amalka, Shaul HaMeler. Alors, le Targum, Yonatan, il dit donc que le Shevet de Binyamin, c'est lui qui s'est lancé en premier. Comme c'est marqué, Sham, Binyamin, Tsarir, Rodem. La Gemara dit, il ne faut pas lire Rodem et la Redyam. Donc c'est Binyamin qui a eu cette force. Narchon, Ben Aminadab, il est de la descendance. Non, mais on va aller du côté de Binyamin. Yehuda. Non, on dit les deux. Il y a les deux. Ouais. J'ai bien dit, c'est vrai. D'accord. Tout à fait, il y a les deux. Il y a les deux options. On peut. Mais ça se rejoint, tous les deux. Il y a ceux qui disent. C'est la marloquette, la Gemara dit non, le Maasé n'était pas ainsi, et la Kafat Narchon Ben Aminadab. Mais la Gemara ramène les deux avis. Mais pourquoi je dis ça? Pour dire parce que la malchoute de Binyamin est issue de cette Messirut Nefesh, c'est ce que je veux dire. Okay. C'est-à-dire que toute la force que de la malchoute, elle vient de là. Parce que c'est à ce moment-là que toute la dynastie de Yehuda a été désignée comme elle va régner. Grâce à cette Messirut Nefesh. Et après ceux qui disent que c'est Binyamin, et bien pour à ce moment-là, c'est décidé que Binyamin. Donc toute la Messirut Nefesh qui s'est déployée à ce moment-là, elle a été récompensée par quoi ? Par la force de régner. Alors maintenant qu'on a un peu dressé tout cela, on va revenir à nos questions de départ. Donc on est toujours en question
on revient à ce duel entre Esther et Shaul HaMelech. Et Mordechai. Esther et Mordechai. Donc Esther était issue de Binyamin de Shaul HaMelech. Shaul, quand il a eu le sroud de régner, c'était grâce à la Mesirut Nefesh de son grand-grand-père. Esther, quand elle a eu le sroud de régner, c'est grâce à la Mesirut Nefesh de son grand-grand-père. Parce que c'est comme ça qu'ils ont eu cette Mesirut Nefesh. Alors, Esther, maintenant, elle est devant un dilemme. Il y a Mordechai. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il lui a dit, Mordechai? Mordechai lui dit, il faut que tu agisses. Au-delà de l'acte, bien sûr, de libérer le clan d'Israël, Esther, il dit le Hachir, écoutez ce que dit le Hachir. Esther, elle avait une mission très importante. Elle avait la mission de réparer la faute de Shaul HaMelech. Là où Shaul HaMelech a trébuché, Esther, elle devait réparer cela. Esther, elle avait la mission, bien sûr, de délivrer le clan d'Israël de ce décret de Haman, mais le Hachir, il dit... Elle était issue de Binyamin. Elle était la seule à même de pouvoir réparer la faute de Shaul HaMelech. Cette faute qui consistait à quoi? À ne pas être soumis totalement, on va dire. À ne pas respecter totalement la parole d'Hachem. Alors avec ça, vous allez voir, tout est clair. D'ailleurs c'est quand même très fort, parce que le Lachon, le langage qui a été dit quand Shaul a été... nommé, c'est marqué Untana l'Iracha Tov Mimena, Riracha. On retrouve ce même Lachon. Umalchuta itena melach l'Iracha Tova. Shaul HaMelech, il a fait, bien sûr, cette faute de ne pas respecter de façon simple les paroles d'Hachem. Mais vous savez, dans son Cheshbon, il n'a pas fait que ça. Je vais vous dire encore quelque chose d'autre. Shaul HaMelech, il a dit, je vais garder Agag, Melech Amalek, un jour. Et le lendemain, je vais le tuer. Pendant ce jour-là, ces quelques heures, je vais le mettre dans une prison, profiter de tous les biens des Amalekim, parce que juste après, je vais devoir les... Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a mis dans une prison. Dis-le, je crois que c'est le Midrash. C'est le Midrash, je ne sais pas me noter. En tout cas, les Mfarchim disent que ce soir-là, il a eu une relation avec une Chifra qu'il a trouvée là-bas. Et de cette Chifra est né Haman. Toute la descendance de Haman, elle vient de l'erreur de Shaul HaMelech, qu'il a laissé en vie Agag Melech Amalek. Et voici que l'erreur... Donc Esther, elle avait une double mission. Et de corriger la faute, et d'anéantir Haman. Alors maintenant, comment faire? Il fallait que Esther déploie une Mesirut Nefesh au-delà de la normale, pour montrer qu'elle est métakénète, qu'elle corrige la faute de Shaul. Mordechai, lui, c'est vrai que pour lui, il fallait faire que la tfila. Il n'y avait pas besoin de faire de ishtadlut, d'effort, d'aller voir le roi, ni qui que ce soit. Mais il lui dit, toi, tu as une autre mission. Toi, tu as une mission spécifique qui est celle de pardonner la faute de Shaul HaMelech. Comment tu vas pardonner la faute de Shaul HaMelech? Tu vas aller droit dans le mur. Rien ne doit t'arrêter. On ne fait pas très jbonote. Tu n'as pas à faire de calcul. Tu dois montrer une Mesirut Nefesh telle et tu dois t'arranger dans ton truc d'inviter Haman pour que Haman tu fasses tomber aussi. Comme ça d'une pierre deux coups. Trois coups même, on va dire. Mais en tout cas, par rapport à la faute de Shaul HaMelech, tu es obligé. Tu es la même, tu es la seule à pouvoir faire cela. Car si tu ne fais pas cela, à tout bête à vire, Tovedou, toi et toute ta descendance, la faute va rester... Elle va planer sur vous. C'est pas qu'il est en train de la maudire. Il est en train de lui faire prendre conscience. Ah, tout bête à virtuver d'où? Tu es la seule. C'est la descendance. Corrige cette faute. Si tu n'es pas capable de la corriger maintenant, les Bnei Israël vont être délivrés. Il n'y a pas de problème. Mais ah, tout bête à virtuver d'où? C'est parce que réfléchis, lui a dit. Si tu as été nommé pour cela, c'est que c'est pas pour rien. Tu as été nommé parce que tu es de la dynastie royale. C'est pas pour rien, c'est la Mesirut Nefesh. Donc maintenant c'est Shaul. Shaul a fait une faute. Parce que Mordechai aussi, il était de Binyamin. Oui, d'ailleurs, oui, tout à fait. Et pour compléter, grâce à ça, il y a eu la construction du Beit HaMikdash. Elle a pu justement détruire, elle a pu corriger la faute. Les Mfarchim expliquent que Esther et Mordechai sont comparés à des Mlachim de l'époque. Eux, c'est comme l'ordre qu'on a dit. Il y a eu le roi.
Il y a eu la destruction des Amalekim et Ramel Mfarchim, que tous ceux qui ont été tués à Shushan, les 75 000 et les 300 personnes, tous étaient du Zéra de Amalek. Tous étaient du Zéra de Amalek. Parce que la mission était claire. C'était qu'il fallait détruire Amalek. Détruire Amalek pour pouvoir arriver à la construction du Beth Amash qui a été faite par qui? Par Dariavesh, le fils d'Esther. Tout, maintenant, s'explique très bien. Esther Amalka Bemet, quand elle a dit, au départ, elle voulait, elle n'avait pas conscience de cette mission. Esther Amalka, elle a dit au départ, bien sûr, moi, je voudrais qu'on fasse une Ishtadlout. Bon, elle a dit, hors de question, Ishtadlout, le plus important, c'est la Tfila, parce que Yada et Kola, il savait qu'il y a une Xéra qui a été décrétée par Hachem, et avec Hachem, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la Tfila. Mais il lui a dit, pour toi, toi, tu as besoin de faire un Ishtadlout que je te demande pour pouvoir pardonner la faute de Shaul Hameler. Et si tu la pardonnes, Be'ezrat Hashem, Esther, dit le Midrash, elle a réussi, mais pas complètement, parce qu'ils n'ont pas anéanti tout. C'est pour cela que dans le deuxième Beth Amikdash, il y avait des choses qui manquaient. Donc, on est de nouveau maintenant, qu'Hashem fasse Be'ezrat Hashem, que c'est un Pourim, que Amalek soit détruit, qu'on puisse avoir le Sroud, qu'on ait un Meler, et Be'ezrat Hashem, qu'on s'assurerait au troisième Beth Amikdash. Amen, merci. Amalek à faire en ce moment. Ouais. Et alors, mais pour l'histoire alors de ce qu'elle demande à Mordechai et qu'elle lui envoie cet habit-là. Au début, c'est ça. Au début, elle n'avait pas connaissance de la mission. C'est lui qui lui dit. C'est lui qui lui dit. Il dit que si tu ne le fais pas maintenant, voilà, c'est ça. Ça descend.